Au nom de Yeshua, son corps se restaure aujourd'hui. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Le Seigneur a vu tes larmes. Et parmi nous, Emmanuel. Dieu t'aime. Oh, il restaure tes os, il restaure tes muscles, il restaure ton corps. Au nom de Yeshua. Oh Père, tu vas marcher encore pour parler de lui. Oh Seigneur. Oh. Wow. Ça. Au nom de Dieu. Magnifique Seigneur. Oh. Hey. Tu vois, le Seigneur a vu tes larmes. Oh. Jesus. Wow. Jesus. Il te connaît. C'est bon pour ta famille. Jesus. Oh, la sœur là. Ouais. Waouh. Jeune homme. Adonai est parmi nous. Adonai, Jesus, oh Jesus, c'est le Père qui console, Jesus, le Père qui console. Oh! Et la présence du Père vient consoler des cœurs malades. Oh! Il est parmi nous. Oh Père! Jesus! Aide-la! Oh! Aide-la! Là, Jesus. Oh, Emmanuel. Il y a quelque chose ici. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Mon Dieu! Merci, oh! Merci, Jesus! Merci, Jesus! Jesus! Il est parmi nous! Jesus!
Seigneur, merci. Le Seigneur veut toucher toute ta famille. Toute ta famille. Jesus. Toute ta famille. La délivrance arrive. La délivrance arrive. Jesus. Waouh, waouh, waouh. La voici, cette onction pour ta famille au nom de Yeshua. Jesus. Oh Seigneur, merci. Merci. Aide-la encore. Lève tes mains, lève tes mains. Tu as beaucoup prophétisé. Tu as beaucoup prophétisé, jeune fille, au nom de Yeshua. Tu as beaucoup prophétisé. Jesus. Wow. Tu as un berceau? Non? Ton mari. Tu peux l'appeler, hein? Tu peux l'amener? Le Seigneur veut consoler quelques personnes qui sont découragées, abattues. Il y en a plein ici. Tu vois, ma soeur, là où tu es assise, Dieu vient te consoler. Oh, tu vois, la présence de Dieu là sur toi, maintenant même, tu vois, la délivrance t'est accordée ce soir. Tu vois, cette souffrance sort au nom de Yeshua. Oh. Quelqu'un ici est ligoté, ligoté jusqu'à la mort, ligoté. Le Seigneur vient te rendre libre, tu vois, ce démon sort au nom de Yeshua. Sors. Quitte-la. Si. Sors d'elle. Un ange est venu avec un enfant dans un berceau. Joël. Et le Seigneur est en train de préparer un grand terrain. Un grand terrain et une grande maison, une très grande maison. Oh, Jesus. Allez prendre un berceau. Et waouh. Et il va vous faire aussi adopter beaucoup d'enfants. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, oh, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer. Ça va? Ta famille est là? Ils sont où? Que sa famille vienne. C'est bon. C'est réglé. C'est magnifique. C'est mes frères, là, je sais pas. Ses frères sont où? Un gros crapaud pour te détruire.
et décimer la famille. C'est autre chose qu'elle était en train de vomir. Oh, Dieu l'aime. Ils veulent qu'elle meure. Mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. N'est-ce pas? Au nom de... C'est réglé. Assis sur son... Esprit de mort, écoute bien. Tu ne peux pas emporter cette personne. Nous brisons cette décision. Nous annulons au nom de Jésus cette décision prise contre cette personne. Et nous te chassons ce soir au nom de Yeshua. Ton règne est fini dans ce corps. Tu ne peux plus détruire la personne. Maintenant, au nom de Yeshua, tu prends ta maladie, tu prends ta condamnation. Tu sors de là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous pensez que le Seigneur peut la délivrer? Amen. Amen. Qui le croit? Ah oui. Dieu la sort de sa tombe. Il y a une autre personne ici qui fait des cauchemars avec la mort. Des rêves, des songes avec la mort. Tu parles avec les morts, tu n'en veux pas, mais ça continue encore. Tu es venu ce soir. Tu vois, le Seigneur t'a aimé, le Seigneur t'aime. Il est en train de libérer ton esprit du royaume de la mort. Tu vois, il t'aime, le Seigneur. Il t'aime. Il t'aime. Il coupe ce lien entre toi et la mort. Il coupe ça. Il n'y a plus aucun rapport au nom de Yeshua. Aucun rapport. Je dis au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, c'est fini. Ça va, ma soeur? Dieu t'aime, c'est réglé. Oh. Ça va? Oh. Tu es marié? Tu as des enfants? Tu voudrais te marier? Tu es baptisé? Dans l'eau? Il y a un démon voleur qui a pris des choses qui lui appartiennent parce qu'une porte a été ouverte. Le bonheur familial, le mariage, tous, il a pris ça. Et on l'a affecté, on lui a affecté un esprit de nuit. On lui a affecté un mari de nuit. Et le mari de nuit, là où je parle, il est en colère. Il est en colère. Il s'énerve contre moi. Voyez ça? Tu ne peux rien contre moi. Non, tu ne peux rien. On l'a marié la nuit dans une forêt. C'est quelqu'un de la famille qui se présente comme son mari. Du coup, les hommes ne peuvent pas la marier, l'épouser. Vous voyez ça? Regardez-moi comment les gens souffrent. Je veux prêcher la parole. Dieu me dit, il y a beaucoup de démons ici. Je veux libérer mon peuple d'abord. Il fait ce qu'il veut. Quelqu'un très proche d'elle l'a épousé la nuit. Et ça la viole en esprit avec un démon. Sors au nom de Yeshua. À genoux. Laisse-la. Laisse-la.
Laisse-la. Tu vas laisser son mariage, tu vas tout laisser. Tu sors. Au nom de Jésus. Tu sors de là. Vous pensez que le Seigneur peut la libérer là? Ah oui. Il est fidèle le Seigneur. Un gros serpent. Vous voyez une femme comme ça, habitée jusqu'aux os. C'est pas fini, hein. Il y a d'autres maris de nuit ici. Des femmes qui sont violées la nuit, des femmes qui n'arrivent pas à se marier alors qu'elles sont belles. Des femmes qui ne comprenaient pas, on a volé, on a affecté des démons de nuit dans vos familles. Voyez ça? Voyez ça? Je ne sors pas. Je ne sors pas. Vous pensez que le démon est... Qui croit que Jésus a vaincu Satan? Le maître est là. Amen. Cette semaine, je ne sais pas ce que Dieu va faire, mais ça commence bien. Ça, en plus du démon de nuit, là, mari de nuit, là, il y a l'esprit de guerre, l'esprit guerrier, un esprit de violence, un esprit de colère. Vous épousez une femme comme ça, elle va avoir un caractère très dur et le mari peut ne pas comprendre. Et là, le Seigneur est en train de la libérer totalement, définitivement. Voyez, elle et les démons, ils vont se mettre à genoux et ils vont partir définitivement. Maintenant, vous la laissez au nom de Yeshua. Sortez! Femme, Jésus-Christ qui m'a envoyé ici te rend libre ce soir, définitivement. Fini. Acclamez le Seigneur. Wow. C'est pour cela qu'il ne faut pas avoir des rapports sexuels avant le mariage. Il y a un autre mari de nuit ici qui est dans le dos de quelqu'un. Un démon qui est dans ton dos. C'est une femme. Tu es fatigué, tu es épuisé. Quand tu es seul, tu sens comme une présence, comme quelqu'un qui t'épie, qui t'observe. Et ta vie est détruite. Ta vie est brisée. Tu tournes en rond. Tu cherches la libération. Tu cours ici, elle n'a rien. Et ce soir, tu es venu ici. Le Seigneur a vu. Pendant des années, le Seigneur te voit. Et ce soir, Dieu t'a attiré en ce lieu. Et avec l'épée de l'esprit, Dieu te libère de cette chose, de ce fardeau, te libère de ce souci. Au nom de Yeshua, une libération totale, définitive, une guérison, une restauration définitive au nom de Yeshua. Ce soir, en sortant d'ici, tu vas témoigner la gloire de Dieu, tu vas expérimenter la joie de l'Esprit de Dieu. Oh Seigneur, merci. Oh Père, tu vois, en même temps, ce mal de dos que tu as là, le Seigneur le soigne. Il te restaure. Bah oui. Ça va? Ne laisse plus aucun homme te toucher avant le mariage. D'accord? C'est réglé. Garde ta délivrance au nom de Yeshua, notre Seigneur.
Ça va? Tout va bien? Tu es baptisé? Pas encore. Viens. C'est la première fois que tu viens ici? C'est pas la première fois, non? Tu étais là hier? Donc hier, c'est la première fois. Qui t'a invité? Maman Val. Hein? Maman Valérie. Maman Valérie. Oh. Qu'est-ce que tu attends pour le baptême? Dieu t'appelle. Dieu t'appelle. Oh Seigneur. Tu aimes Jésus? Tu veux le suivre? Dieu t'aime beaucoup. Comme un père, il veut te garder, il veut te garder, il veut te protéger, il veut essuyer tes larmes. Il veut guérir ton cœur blessé, déçu des hommes, déçu des comportements des hommes. Femme, l'homme t'a déçu. L'homme t'a déçu. Cet homme t'a blessé. Cette personne t'a blessé. La déception. Oh, tu as ouvert ton cœur. Tu as donné de l'amour. Le Seigneur me dit, dis-lui que je la connais. Et c'est moi qui l'ai invité pour changer son histoire, pour changer sa vie. Jesus! Oh! Oh! Viens, 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 toi qui es à côté. Tu la connais? C'est ta grande sœur. Viens, viens, viens. Oh, Dieu aime cette famille. Dieu me dit de vous dire qu'il veut guérir votre famille. Là où l'ennemi a amené la maladie, la division, les problèmes, là où l'ennemi veut amener la mort, la séparation, tout ça, là. Dieu veut changer l'histoire de votre famille. Dieu brise la puissance de la sorcellerie de la famille. Dieu brise la puissance de la sorcellerie de la famille. Au nom de Yeshua, au nom, voici la délivrance. Voici la délivrance. Oh Seigneur de gloire, il y a une onction pour cette famille. Dieu restaure le mariage, Dieu restaure toutes choses. Votre famille a beaucoup souffert. Votre famille pleure. Oh Seigneur. Voyez? Quand Dieu parle, on est étonné, n'est-ce pas? Ma soeur, tu veux suivre Jésus maintenant? Oui. Tu veux prendre ton baptême? Oui. Tu es sûr de toi? Oui. Cours là-bas pour prendre ton baptême au nom de Yeshua. Alléluia. Oh! Ceux et celles qui veulent prendre leur baptême ce soir, courez ici devant. Acclame le Seigneur pour sa parole, frères, sœurs. Oh Seigneur de gloire. Oh Dieu d'Israël. Oh Dieu de gloire. Alléluia. Oh, la gloire de Dieu est là. Jesus, Jesus, Jesus. Jésus est présent. Il est magnifique. Il est magnifique, il est magnifique, il est magnifique. Il est magnifique, il est magnifique, il est magnifique, il est magnifique, il est magnifique. Levez vos mains, vous qui êtes là devant, là. Levez vos mains. Levez vos mains. La puissance de Dieu vous rend libre. L'Esprit de Dieu vous rend libre. La puissance du Saint-Esprit vous rend libre, libre, libre. Voici ta délivrance. Sors la mort. Quitte-la. Sors d'elle. Sors d'elle. Acclame le Seigneur pour elle. Acclame le Seigneur pour elle. Aidez-la, sors d'elle, sors d'elle, allez, oh, voyez ça, voici ta délivrance, voici ta délivrance, quitte-la, sors-la, sors, sirène, sors, Mami Wata, sors d'elle, je dis, voilà, voyez ça, Mami Wata là, Mami Wata, l'esprit de Zo, quitte-la, quitte-la, sors de cet enfant-là, sors d'elle, oh non, Yeshua, quitte-la, quitte-la, il y a Mami Wata là, voici, oh, Jesus,
Oh, il y a une onction sur elle. La délivrance, on acclame le Seigneur. Voici la puissance de Dieu. Aidez-le, aidez-le. Jesus, oh. Jesus, quelque chose. Waouh, 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 Seigneur, merci. Waouh, Seigneur, merci. Et de là, voici l'onction de cet enfant-là. Oh, cet enfant est rempli de l'onction de Dieu. Mais magnifique. Voyez cet enfant-là, Dieu lui donne le parler en langue. Regardez-moi comment Dieu veut dire les enfants-là. Mais qu'est-ce qui se passe au Gabon ici, là? Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe? Oh, alléluia. Voyez, cet enfant-là, rempli de l'Esprit de Dieu. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Sors d'elle, la mort. Voyez, là, c'est Mami Wata qui est très en colère, là. Voyez ça, là. Oh, cet enfant. Voyez, elle est sous l'onction. Oh, c'est magnifique. Oh, c'est magnifique. Oh, voici la puissance de Dieu. Elle est là, une onction sur elle. Et oh, Dieu l'a saisie, là. Oh, c'est magnifique, ça. C'est magnifique, ça. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. Courez là-bas au baptême. Courez au baptême. Jesus Christ. Aidez-la. Et l'onction sur elle, là, c'est magnifique. Elle a beaucoup pleuré, là. Beaucoup blessée. Voici la puissance de Dieu. Voyez ça, là. Regardez-moi l'enfant, là. Ça va, toi? C'est ta fille? Oh. Sors. Sors d'elle. Sors d'elle. Lâche-la. Sa maman est où? Cet enfant est une prophétesse que Dieu prépare. Jesus. Oh, magnifique. Regardez-moi l'onction sur elle. Waouh. Dieu la baptise dans l'esprit. Voici la puissance de Dieu. Oh, Dieu l'aime. Oh, Dieu l'aime. Waouh, ta fille, elle va commencer. Elle commence aujourd'hui même. Dieu la baptise dans le feu. Jesus. Le feu. Tu reçois le parler en langue au nom de Jésus de Nazareth. Maintenant. Jesus. Wow. Wow. Oh. Jesus. 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 Sors. Esprit de ténèbres. Tu vois, cette jeune femme ne veut plus de toi. Voilà, elle sort, elle sort, elle sort, elle sort, elle sort de là, sort de là, sort de là, sort de là. Quitte-la, quitte-la. Si, tu vas lâcher sa tête. Sors de là au nom de Jésus. Sors de là, sors de là. Sors de là, sors d'elle, sors d'elle, sors d'elle, sors d'elle, sors d'elle. Elle n'est plus ton esclave. Elle n'est plus ton esclave. C'est fini. Tu vois, c'est fini. Tu vois, c'est fini. 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 Acclame le Seigneur pour elle, c'est magnifique ça. Waouh! Le démon, il s'en va. Qui est encouragé par ce que Dieu fait? Oh, ça va? Oh, une belle onction sur toi. Dieu t'habille en marié. La puissance de la résurrection va te surprendre. Dieu va te surprendre, ma fille. Le Seigneur te dit, tu es sa fille, tu es sa fille, tu es sa fille, tu es sa fille. Il a vu tes larmes, il voit, il entend tes cris au nom de Yeshua, alléluia. Jesus Christ, oh, il y a quelque chose sur elle. C'est magnifique ça, c'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique. Avant la prédication, les gens sont convaincus du péché. Qui veut abandonner le péché? L'impudicité, qui veut abandonner le péché sexuel? Qui lève sa main? Qui? Levez-vous, venez ici, courez ici. Sors d'elle, au nom de Jésus. Sors d'elle. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Sors. Sortez. Sors d'elle, au nom de Jésus. La mort, sors d'elle. Oh, Jesus, sors. Sors de lui, sors, démon. C'est un chien qui est là-dedans. Sors, quitte-le, quitte-le, quitte-le. Je dis quitte-le, 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 quitte-le. Un chien,
C'est un héritage familial. L'esprit d'impudicité, saleté, la saleté, c'est réglé. Tu es baptisé? Faut plus tomber dans ça. Ça, c'est la sirène. Là. Le Seigneur te libère. Tu es baptisé, jeune fille? Faut plus tomber dans ça, tu comprends? Oh! Oh, quelqu'un doit venir maintenant. La porno, je veux que tu viennes. Dieu dit viens. La pornographie, viens ici. Viens ici. La porno, Dieu veut. Il faut que tu viennes. Il y a un appel sur ta vie. Satan veut te détruire dans ça là. Il faut que tu abandonnes ça. Au nom de Yeshua. Il n'y a pas de honte à voir. Je veux te voir. Il faut que tu sortes de là. Il n'y a pas de honte à voir. Cours là pour la délivrance. Cours. Il n'y a pas de honte à voir. L'ennemi te tient dans ça, là. Te tient dans ça. Il te tient dans ça. Il t'enferme dans ça. Oh Seigneur. Dieu te voit, je peux venir te chercher. Il ne parle pas en vain. Merci. Lève tes mains. Sors de là. Au nom de Yeshua. Sors de lui. Sors de lui. Voilà. Sors de là. C'est un homme que Dieu veut utiliser et tu ne peux pas le détruire. Sors, serpent, esprit impur. Sors, 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 sors. Au nom de Jésus. Sors, 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 sors. Jésus. Fini. Fini. Il ne faut plus faire ça. Tu as ton portable avec toi? Tu as ton portable? Il y a des images dessus? Faut plus. Finis ça. Pourquoi? La pornographie. Jesus. Jesus. Qui d'autre? Au nom de Yeshua. Oh. Jesus. Sors. Sors. Quitte-la. 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 Si tu vas la lâcher, tu vas la lâcher, tu vas la lâcher. Il y a un serpent qui est là comme avec la tête d'un poisson. Lâche ma soeur, tu m'entends? Lâche-la, voilà. Lâche-la. Sors d'elle. Sors d'elle. Sors d'elle. Sors d'elle. Elle ne veut plus de toi. C'est fini ton règne. Fini. Fini. Sors. Sors de lui. Sors de là. Sors de là. Sors. 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 Un chien qui est là. Sors. 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 Le Seigneur a vu ta souffrance là. Il voit ta souffrance, il voit tes larmes. Il te sort de ce trou là dans lequel on t'a mis, on t'a enterré. On t'a enterré, on veut que tu meures dans cette chose là. Le Seigneur te libère de là. Yeshua, alléluia, gloire à Dieu, la puissance de la résurrection. Alléluia, Jesus. Sors de là. Sors de là. Voilà. Ah, c'est une espèce de cobra qui est là. Là. Sors. Quitte-le, Yeshua. Sors de là, sors de là, sors de là, sors de là. Jesus, sors de là, sors de là. Voilà, tu vas la lâcher. Tu peux pas, tu ne peux pas te cacher. Lui là, ce démon ne veut pas qu'il se marie. Il veut que cet homme aille de femme en femme. Tu vois, non? C'est un héritage de famille. Ce soir, c'est ta libération définitive. Il ne faut plus tomber dans ces pratiques-là. Sors! Au nom de Yeshua. C'est bon. Jesus. Voilà. Oh, c'est magnifique. Tu es baptisé? Tu es baptisé aussi? Non? Catholique. Ben, il ne faut pas prier Marie, il faut prier Jésus-Christ de Nazareth. Tu veux suivre Jésus? Tu veux prendre ton baptême ce soir? Eh bien, cours au baptême là-bas au nom de Yeshua. Alléluia, c'est réglé. Ça va? Ça va pas. Tu es baptisé? Dans l'eau? Oh, Jesus Christ. Sors de là. Oh, c'est bon. Quelqu'un ici, Dieu veut le libérer de la convoitise. N'aie pas honte. Lève ta main. Viens, on acclame le Seigneur. Viens.
Quelqu'un là-bas, les hémorroïdes, ici, là. Sous les hémorroïdes, là, tout ça que Dieu veut guérir, les hémorroïdes. Le Seigneur veut guérir cette personne ici, hémorroïde. Toi, là, viens, on acclame le Seigneur. Viens. Lève tes mains. Sors! Fini. Sors de là. Fini. Sors de là. Sors de là. Guéri. C'est fini, c'est parti. Au nom de Yeshua. Ouais. Au nom de Jésus. C'est fini. Il y a quelqu'un là-bas qui souffre d'un problème qui affecte ses poumons. Problème respiratoire. Que le Seigneur veut guérir au nom de Yeshua. On acclame le Seigneur. Cours ici, ma soeur. Qui est le Seigneur ici? Qui est le Dieu de ce lieu-là? Ma soeur, un ange est venu avec deux poumons pour toi. Tu les veux? Tout neuf. Jesus. C'est réglé. Ça va? Oh Jesus. Et de là, une onction sur elle. C'est magnifique. Regardez-moi ça. Le démon, il s'en va. Il y a un démon qui tire ses poumons.